Rien de tel qu'un jeu pour attirer l'attention du public. Là, il s'agit de reconnaître les animaux de mer morts retrouvés sur la plage et de les mettre en relation avec des photos prises de leur vivant. Est-ce que vous reconnaissez des choses? Des oursins, là. Oui, alors, il est... des oursins. L'intérêt, expliquer en quoi concerne la campagne d'observation de la biodiversité du littoral à laquelle tout le monde est associé. Toute personne qui va sur le littoral, petits et grands, peut faire des observations. Ces observations, nous, on les récupère. On travaille avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et on va analyser tout ça pour petit à petit voir quel est l'état de santé de cette biodiversité, si ça évolue positivement ou négativement. Et donc oui, on fait participer le plus grand nombre à la science et la science bénéficie du plus grand nombre. C'est ça le principe de BioLite. Cette campagne concerne toutes les plages de France. 120 000 données ont déjà été collectées. 600 espèces du bord de mer identifiées. Concrètement, vous pouvez contacter un des 80 points BioLite sur les plages ou vous rendre sur leur site pour participer à des campagnes de sauvegarde plus précises. Nous, on fait vraiment le lien à travers les sciences participatives. On fait vraiment le lien avec tout le public. Tout le public est invité à venir découvrir le littoral. Et nous, notre rôle, c'est de les amener à être plus sensibles lors de leur promenade, de faire plus attention en fait, au milieu qui les entoure. Et ensuite, peut-être par la suite, qu'eux, ils y soient plus sensibles et qu'ils fassent plus attention dans leur quotidien. Nous ne le savions peut-être pas, mais depuis tout petit, nous sommes des sentinelles de la mer. L'opération menée par Planète Mer nous le rappelle. Notre tâche désormais sera de veiller consciencieusement sur l'état de santé de notre littoral.